Bien aimé en Jésus-Christ, frères et sœurs de la foi, nous remercions le Seigneur de ce que encore une fois lui accordé à chacun de nous cette opportunité que nous retrouvons dans sa présence en ce dimanche. Nous invitons toute l'Assemblée à se lever pour chanter les paroles du cantique au numéro 22 de la section française des chants d'espérance. Mon cœur te cherche au point du jour. Ô Jésus, mon ami suprême. Toi qui m'as tant aimé, je t'aime et je vis de ton amour. Mon âme est attachée à toi et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre dans mon cœur et ta présence est mon bonheur. Trône par devant lequel
les anges, les archanges, les séraphins se prosternent. Et ils redisent en chœur, gloire, gloire soit à l'Éternel, qu'un cantique solennel monte à ton trône. C'est avec eux tous, ô Dieu notre Père, que nous voulons mêler nos voix. C'est avec tous les éléments de la nature que nous voulons encore aujourd'hui nous associer pour te dire, Seigneur, que nous t'aimons. Que nous t'aimons du plus profond de nos cœurs. Que nous voulons t'adorer. Que nous voulons nous prosterner devant ta face bénie, car tu es Dieu et tu es notre Dieu. Nous reconnaissons, ô Dieu notre Père, si aujourd'hui encore nous sommes vivants, c'est grâce à ta bienveillance, c'est grâce à ton amour, c'est grâce à tes compassions, tes multiples compassions exercées jour après jour à l'égard de chacun de nous. Seigneur, nous sommes venus dans ce temple pour t'adorer, mais bien plus pour t'entendre, parvenir à nos cœurs, au-dessus de la voix de ton serviteur que tu as choisi pour le message d'aujourd'hui. Fais-nous entendre ta voix. Fais-nous marcher selon ta sainte et divine volonté. Nous voulons te plaire, ô Dieu notre Père. Seigneur, merci pour cette poignée de fidèles qui te cherche jour après jour, qui te cherche semaine après semaine, qui te cherche pendant toute la vie, qu'il te plaise de te révéler à chacun de nous, que nous sentions ta présence en nous et autour de nous, que nous soyons couverts par toi dans ce monde si difficile et bouleversé. Fais, ô notre Dieu, dans ce jour 12 janvier 2020, nous oublions le passé, mais plutôt que nos regards se portent sur toi, pensons beaucoup plus à ta bienveillance, ô Dieu notre Père. Nous sommes ici, ô Dieu, pour te rencontrer et nous ressentons déjà ta présence au milieu de nous. Et devant ton merveilleux amour, en t'adorant, notre âme est heureuse. Nous triomphons, nous célébrons joyeux tes bontés de chaque jour. Sois avec nous, Dieu notre Père, et entends notre prière dès la prière, puisque nous t'adressons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, à qui revient comme à toi le Saint-Esprit, la gloire de l'honneur, les avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber en tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et tandis que nous sommes debout, chers et sœurs bien-aimés, nous allons lire alternativement les versets du psaume 112. Psaume 112. Et après la lecture de ce psaume, nous entendrons la doxologie « Gloire à Dieu, notre Créateur ». Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération de notre gloire sera la bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres, et les endroits où celui qui a miséricordieux en passant. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête
qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais la mémoire du juste qui est toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte. Il s'assume son désir à la parole de ses adversaires. Il fait les largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais, sa tête se lève avec gloire. Je ne vois pas ici rire, il reste les dents et se consume, les désirs des méchants périssent. Amen. Nous avons notre musicien avec nous.
Donc il va jouer au piano et nous allons nous engager à chanter les paroles du cantique au numéro 303 de la section française des chants d'espérance, chant après lequel le pasteur Gaudin nous conduira en prière et priera spécialement pour notre pays, Haïti. 303, section française des chants d'espérance. Seigneur, tu donnes ta grâce au cœur qui regarde à toi. Ah, que sa douce efficace se répande aussi sur moi. Saint-Esprit, souffle de vie, viens en mon cœur par la foi. Dans le sang qui purifie de tout péché, lave-moi. Seigneur Dieu, Amen.
est l'Éternel des armées. Seigneur, encore une fois, permettez à vous présenter nos devants. Nous présentons nos devants avec tristesse dans le cœur. Nous. Lorsque nous avons pensé à 10 ans de cela, ravage en tremblement de terre et fait un pays. Ma pensée à mon Dieu, il y a un peu de monde qui pas seulement des tristesses, mais qui a brûlé encore. Parce que tout simplement, il n'est pas capable de sortir dans la misère, dans la tristesse que l'événement ça a causé dans la vie. Et mon Dieu, depuis l'événement ça, la vie a changé, transformé complètement. Je vais dire pied, je vais dire pommette, je vais dire tout à croyant, je vais dire Mario, madame yo, petit yo, membre de la famille, que je parle jusqu'à présent. Comment je vais pas vivre sans yo? Il y a un événement qui a blessé, oh mon Dieu. Combien que la vie nous en tant que homme, les fragiles sous tes sables. Tout à coup, il y a un bruit de réassouqué. Des milliers d'Haïtiens périssent. À un instant, il y a un plus grand tremblement de terre dans l'histoire de l'humanité même. Passé. Touché de après vraiment ça, Seigneur mon Dieu, nous devons que le peuple haïtien a commencé à chercher route. La vie éternelle là. Lorsque vous avez choisi de faire des barricades de jeunes, la journée pour la nuit, tout le monde qui est tendance à aller chercher vous. Comprendre que la vie est fragile. Vous semblez que vous êtes fort de face. Ils ont semblé échanger fusil et épaule. Mais après quelques jours, nous retournons dans le même peuple-là. Il semblait que l'histoire pour le peuple haïtien a toujours été inoubliable. Nous ne pouvons pas jamais qu'à la guerre en mémoire. Ça qui passait. À chaque fois que nous baillons la main avec frère, nous. Haïtiens pareil nous, lorsque nous connaissons faire trois pas et que nous ne consentons pas rien, lorsque nous commençons à sourire, tout à coup, nous coûtons un peu dans le dos. Prenons la vie nous encore. Seigneur, 10 ans après, des millions et des millions ramassés sous mon pays pour faire un bagaille qui est capable de changer le pays. 10 ans après, rien ne s'est pas fait. En plus de monde dans la communauté internationale, ramasser des magots, on n'y est pas fait. En plus de monde en Haïti, ramasser des magots, on n'y est pas fait. Seigneur, c'est peut-être ça avec Diago, tout le monde. Parce que nous connaissons, en tant que monde qui place confiance nous, nous connaissons ce seul qui est capable de changer, c'est ce seul qui est capable de transformer. Dans le moment ça, Seigneur mon Dieu, n'a intercédé pour payer nous, Haïti. Seigneur, pas laisser que nous seulement à rappeler de l'histoire, tant que nous, redéter même que nous, redéter même cœur, tête nous, redéter même tête là, géo, redéter même géa, faire une transformation totale dans le cœur, nous, en tant qu'Haïtiens. Non seulement nous ne pouvons pas entendre nous, nous ne pouvons plus politique. Nous ne pouvons pas entendre nous dans le point de vue spirituel. Nous ne pouvons pas entendre nous dans le point de vue. Nous sommes 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 dans le point de vue. Nous ne pouvons pas pour vue. Seigneur, je dis à Dieu. Quel que soit nous en Haïti, ou nous en États-Unis, il semble que Haïtiens ont toute façon pour les vivre pour la l'aise. Il faut toujours trahir. Faut toujours faire coup de langue sous frère qui boit côté. Faut toujours faire pensou à frère qui boit côté. Faut toujours faire la tête de tout bien. C'est celle-là même qui est toujours. C'est celle-là
dit pour manger. Mais si donc semblez à ici n'a pas de parole, semblez à ici n'a pas de mots, quel que soit ça qu'à parler, je vais vous dévouer, je vais vous faire, pour vous écouter, pour vous pocher au plein, tant que le peuple a toujours appris ma misère. Je vais déclarer, je vais prier ici, sans peuple là, avec peuple là, il y a prier ici, tant que je dis à vous, millionnaire, peuple là, dans faveur à toujours. Seigneur, descends dans la cité soleil, descends dans la cité carton, descends dans la cité finesse, descends dans votre presse, descends dans le département pays, allez toucher. Et dis-lui, tu viens poser pays à faire un pas en avant. Nous avons un capable de tout bien pays. Nous avons vagabond une précoce pour faire manifestation. Depuis qu'on est levé, après, il y a crasé moulé, il y a boulé machine. Il y a beaucoup de gens qui disent parce que seulement eux-mêmes, ils ne peuvent pas arriver pour céder en rien. Peuple a écrit. Seigneur dit un mot. Changez que peuple là. Faire un éternel de lumière éclatée dans le cœur haïtien. Tandis qu'il y a un peu d'intellectuel. Un peu de nègre qui a l'école. Un peu de nègre qui dit qu'il y a des solutions, il y a monté sous pouvoir. Rien n'est pas changé. Si ma vie pas monter, si ma vie pas descendre. Je dis peuple haïtien, le bon président ne veut pas l'élever. Tout le monde a couru d'elle pour ma bouille. Tandis que en bas, tout ma bouille est appelé. Tout le monde a appelé pour ma bouille. Ils ont même tout, c'est ma bouille. Haïtien, c'est un jeu. Il y a plein d'élections. Avec qui vous voyez pas qu'il y a soif. Vous allez voter encore. Si tu vas aller. Tandis que nous toujours après, peut-être la même, ben la qu'il est non. Petit, Seigneur, dis au bon moi, c'est moi qui fais moi-même. Nous ne pas reconnaître, nous ne pas dire pas bon. Mais on sait pas qu'elle connaît. Tigre, pas j'en qu'on fait chat. Chien, pas j'en qu'on fait cabout. Mais comme c'est moi qui m'ont transformé, ou capable, quel que soit cœur, utiliser ton sourire. Parce que la parole est déclarée, ni l'état des âmes. Aussi méchant que bien méchant, mais c'est serviteur. Parce qu'on a utilisé malfaiteur pour faire bien, quand on veut faire bien. Seigneur, tant que chaque après-midi, nous sommes ici à réunir avec frère Dieu, déclarer que nous sommes chrétiens. Disons beaucoup de bien. Parce que des fois, plus beau hypocrite la Seigneur. Plus beau voler à des fois, c'est bon. Tandis que c'est nous-mêmes capables de devant nous. Encore prêcher l'évangile, dis-le Jésus à moi. Tandis que nous voulons accaparer de toutes choses, fourrer nos poches. C'est petit nous seuls qui nous gagnent. C'est femme nous seuls qui nous gagnent. Lorsque l'autre là, c'est mon jour, porte pour nous. Nous faisons toute qualité de plan. Tandis que lorsque Marie a traversé la caille, nous déclarons, nous devons s'abonner. Seigneur, dis un mot pour l'église, à l'église. Tabernacle de Dieu de la Cana. Objectif, lorsque nous avons campé, c'est pour que nous sommes capables différents. Parole que nous déclarons, c'est que ou capable en dans l'église, tandis que nous-mêmes l'absolument. Seigneur, pas laisser nous dévier de parole. Touchez cœur parce que l'homme qui s'est libre de l'église là. Pas laisser, Seigneur mon Dieu. Laissez mon sens de la vie. Faire que le garder ailleurs. Et bien, que Dieu est capable de fixer sur nous-mêmes. Faire que le capable connaître, Seigneur mon Dieu. Ça qui fait dans le secret dans le moi. Non seulement voyons, pour qu'il pouvoir aussi vous dévoiler. Madame qui voit votre Seigneur mon Dieu, qui dévoile qu'à boiter en bas douleur, nous allons dans le nom de Jésus. Ou à toucher, Simon Lio, petit Lio, quel que soit côté de allez toucher parce que nous connaissons. S'il y a la tristesse, nous-mêmes, tout le monde obligé à prendre la tristesse. Mais si quelqu'un a la joie, ensemble avec nous, capable de continuer dans la joie. Passez, touchez chaque monde qui va côté en tant que collaborateur. Bayon l'idée, bayon lumière. Afin que lorsque le moment arrive pour nous conseiller, nous sommes capables de bannir le bon conseil, le conseil salutaire. Seigneur, l'idée, c'est un monde de prédicateur du matin. Nous connaissons des équipes préparées, nous sommes calisés. Mais nous reconnaissons que connaissance mentale n'est pas capable de satisfaire. Bayon parole pour que nous chaque, que nous attristions. Quel nous qui affligé, quel nous qui besoin, nous bagaille nouveau. Parlez-nous parole pour que chacun de nous
avec le rapport et le service là, nous capables de dire dans le cœur nous, et nous capables de déclarer avec nous, c'est la journée que l'Éternel était créé, et je vous dis ça, nous un sujet d'allégresse et de joie. Seigneur, les activités service là, permettre que tout le bagage qu'on fait pour ta gloire et ton honneur, acceptez prière nous, non parce que nous ne faisons rien qui mérite ça, mais acceptez prière nous. Par mérite Jésus-Christ, petit toi, ta vie va avec comme nous avons, dès à présent et éternellement. Amen. Please.
spécial, puisqu'il nous rappelle un jour inoubliable dans l'histoire de notre pays. Le jour qui nous rappelle la plus grande catastrophe de notre histoire de peuple. Nous reconnaissons que nous autres nous sommes cachés. Nous sommes cachés en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. Je veux croire que ce sont les raisons pour lesquelles Dieu nous a placés en terre étrangère. Et si Dieu nous a laissé vivre, je veux croire qu'il a des raisons spéciales, et c'est l'une des raisons pour lesquelles, je vous dis, nous avons la lourde responsabilité de nous engager dans le service du Seigneur. Nous avons la lourde responsabilité de toujours tourner les regards vers le ciel pour implorer la miséricorde, les grâces, les faveurs de Dieu, non seulement à notre égard, mais aussi à l'égard d'Haïti, notre terre natale, la terre qui nous a vu naître, la terre qui est maintenant déchirée. Nous sommes haïtiens, qu'on le veuille ou non. Et les déchirures sans bandage faites à notre terre nous accablent tous. Toutefois, nous sommes reconnaissants parce que Dieu a raison. Dieu a une raison. Dieu a ses raisons. Si nous sommes encore vivants, nous devons en tout temps le louer, nous devons le remercier et nous devons finalement lui demander de nous aider à découvrir sa volonté dans notre vie et pour notre vie. Je souhaite qu'Haïti tourne les regards vers Jésus-Christ, le seul sauveur. Nous avons encore besoin de Jésus. Seul lui peut délivrer ce peuple encore une fois abattu. Sur ce, je vous demande de vous lever pour une minute de recueillement. Nous demandons pour nous
prier de manière spéciale pour le voyage de nos frères et de nos sœurs en Israël pendant les dernières semaines de janvier. Nous avons besoin de la présence de Jésus-Christ pour nous accompagner d'ici étant jusqu'en Angleterre. Et d'Angleterre à Tel Aviv, et là nous aurons à visiter plusieurs villes. Nous sommes sûrs que le Seigneur nous prendra en compte, qu'il couvrira tous les membres, tous ceux qui iront en Israël, de telle sorte qu'en sécurité nous puissions y aller et qu'en sécurité nous puissions retourner à nos demeures respectives. Nous avons dit, nous songeons prier continuellement pour le tabernacle de Dieu de Long Island. De même, après nous prier pour toutes les églises chrétiennes où le nom du Seigneur est proclamé. Songez que l'Église qui citait le nom de Dieu en vain, mais que le Seigneur fasse grâce à ceux qui entendent, à ceux qui entendent, de ne pas recevoir en vain le nom de Dieu et de recevoir la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Priez pour le staff de l'Église. Priez pour les différentes familles qui composent cette Église. Priez pour les deux ailes, l'aile de Brooklyn et l'aile de Long Island, pour que le Seigneur, selon sa volonté, soit capable de réunir nous de telle sorte que nous allons rencontrer dimanche après dimanche. Et priez pour tous les chrétiens, pour qu'ils soient sur la terre. Et comme nous venons de le faire, continuez à prier pour Haïti et priez également pour Israël et les États-Unis. Et comme je le dis souvent, nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Chacun de nous doit penser à son éternité, car Jésus revient bientôt. Donc, contemplons notre bien-aimé sœur, la maman de notre bien-aimé père dimanche, et qui fait effort d'être avec nous. Et nous connaissons douleur, et nous connaissons que le Seigneur, lui connaît toute bataille, et nous demandons que le Seigneur va nous toucher spécial en ce dimanche, de telle sorte que nous sommes capables d'être encore dimanche prochain. Je souhaite à vous bon dimanche, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Tandis que les Oscars vont passer la corbeille pour recueillir nos offrandes, notre frère, notre bien-aimé sœur pourra jouer un morceau spécial en la circonstance.
Nous allons chanter un cantique, mais avant, laissez-moi vous dire que le market est disponible aujourd'hui. Avant de partir, avant de regagner vos maisons, on passe le market côté nous connaissons et il y a quelque chose pour vous. Et demain, apprenez-nous pour nous prier pour la famille innocente. Parce que au cours de la semaine, les jeunes gens ont conduit et voilà qu'il fait un accident. Donc priez pour la famille innocente, pour que le Seigneur soit capable d'assister la famille dans un moment difficile. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles les membres de cette famille ne sont pas avec nous aujourd'hui. Maintenant, mettez-nous debout pour entonner les paroles du cantique au numéro 320 du recueil des chants d'espérance, section française. 3. Soldats du Christ et haïtiens du ciel, nous sommes citoyens. Dans la parole du Seigneur, nous trouvons le seul vrai bonheur. Compatriotes haïtiens du ciel, devenez citoyens. Chantez avec nous désormais. Haïti au Christ, à jamais. Nous parler de la manière que nous devons vivre.
Voilà pourquoi, ô Dieu notre Père, nous devons nous rachita pour nous entendre parler. Parle au-dessus de la voix de mon serviteur. Rends nos cœurs réceptifs. Et fais que Seigneur nous fait bon de dépôt de s'entendre aujourd'hui. Et nous ramener une vie qui conforme à ta sainte et divine volonté. Prends en main ton serviteur. Ce sont les grâces réclamées par Jésus-Christ. À qui revient comme à toi et au Saint-Esprit. La gloire, l'honneur, la louange, la force et la majesté. Les avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. On fait place au serviteur du Seigneur, le Père Paul Combin. Encore une fois, mes frères bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. C'est toujours pour nous et mon privilège. Pour nous capables de joindre nous ensemble à tous, dans une jeune assemblée, nous, pour nous capables d'adorer mon Dieu. Et c'est toujours une grâce, Seigneur, à faire moi-même personnellement, du fait que je suis capable d'utiliser pour l'avancement de son rêve. C'est vrai, il m'a dit un petit sacrifice, mais elle est aussi un soldat. Les enrôler dans l'armée du maître. Ou pas dépendre de nous, mais on dépend de la volonté de maître et employé. Donc, nous là encore, ça fait contentement parce que vous êtes 31, vous êtes enfin le 5, et encore vous êtes le 12. Donc, on va comprendre que en fait, sacrifice à demander, mais comme on a dit à Pasteur Lomé, nous toujours disponibles. Aussi longtemps que mon Dieu va dans la vie, pour nous ne pas jamais refuser le travail maître là, parce que c'est lui qui révèle nous dans son ministère. Maintenant, comme on connaît, nous avons toujours aimé continuer le sujet que Pasteur nous a développé à nous dimanche passé. Parce que dans le temps que nous avons vécu la frère, nous avons en pile raison pour nous troubler. Nous avons en pile raison pour nous peur. Parce que nous ne connaissons pas ce qui a passé. Nous tous qui suivons nous, nous tous qui intéressés à connaître ce qui a passé autour de nous, vous comprenez? Nous avons en pile raison pour nous travailler. Moi-même personnellement. Parce qu'il y a tout le monde qui parlait après, qui dit, nous parlons d'Israël là toujours. Parce qu'il y a chuté à violer. Au cas où 176 personnes qui ont quitté enfin Iran pour aller en Ukraine. Donc, non, au lieu d'ici, pour écraser Bagdad, ils ont dit que. Mais on est même passé. Toutes 176 personnes ont perdu la vie. Et puis, le gros pays qui perdent, c'est le Canada. Avec l'Ukraine. Parce que tout le monde nous dit pas d'Amérique. Le capitaine du premier ministre canadien qui dit Américain responsable. Parce que c'est nous qui attaquons l'Iran avant, l'Iran répond. Qu'on y a même perdu nos groupes monde sans raison. Ces situations que nous vivons. Et qui positionne-nous qu'on y a nous-mêmes comme chrétiens, les tout bagages salauds à passer dans le milieu ambiant nous. Puis, Jean, est-ce que nous avons été insensibles pour nous pas rassurer de la présence de Dieu dans votre vie qui va nous la foi? La détermination que nous connaissons, la vie nous a passé comme ça. Amen. Nous tenons pour vous dans Matthieu chapitre 5, parce que l'on lit en fait tous 12 versets qui parlent sur ça, nous lit
le sermon sur la montagne, ou encore les béatitudes. Vous comprenez, Bagay Sayoul, Christ a établi les principes de son royaume. Parce qu'on connaît le fils de l'homme dans l'île, il était venu dans une époque qui était aussi troublante pour Saïdaïo qui était vivre. Malgré l'indépendance, c'est vrai, mais en fait, Rome était une hégémonie sur Israël et tout le monde a attendu une libération de nation ça, dans condition. Donc, le fils de l'homme dans Paris, c'est un monde où l'Ibral établi un royaume sous terre. Et tout le monde qui a suivi l'IO, t'es des tendances, mon cher, la vie nous va changer. Même jeune, en période d'élection, les montées en Haïti, peut-être, on pas tellement connaître ça en pile parce que nous capables de nous grandir sous ce gouvernement. On va prendre d'autres, on va prendre pas quoi ancien là qui connaît le gouvernement Paul Magloire, estimé, enfin, et discours, on a remonté dans ce Vincent, et t'es bien salué un système. Que nous avons apprécié les hommes politiques dans sa priorité. Nous grandissons ce gouvernement, moi, Pasteur Dorbier, nous connaissons les Duvalier. Mais cependant, peuple, ça nous dit que sous l'Empire romain, les Romains qui tapent dominé. Donc, les Christ paraît, ils comprennent que Christ parle établi le royaume sous terre et l'Empire monde t'a suivi. Cependant, les mêmes qui pas de vini pour ça, ils dépensent là. Dans le chapitre ça, ils pourraient définir les règles, les conditions royaume pour mettre les gens qui t'attendent au garde à vous pour comprendre ça, royaume en gardant. C'est ça que on dit le Seigneur. Moi, sur la montagne, c'est base doctrine. Christ là pour le montrer, ça pour joindre leur venir, accepter Christ comme votre sauveur personnel. Loin de vous parler de toutes les huit béatitudes, vous connaissez, moi ma cour qui est Simon dans l'école du dimanche, ils ont enseigné nous, il y a huit béatitudes. Vous comprenez bien que l'autre apprend tout héros, que heureux qui n'est pas béatitude. Vous comprenez, mais l'autre à côté héros seul, ou à point des huit. Là, pour moi, avec moi, qui étudions la Bible, nous connaissons les huit béatitudes, la dernière, c'est dans le chapitre 7. Hein? Et tout chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, Matthieu a la parole des doctrines chrétiennes. Cependant, la Bible dit que nous devons être des instruments de paix. C'est ça que nous avons aimé avoir après-midi, être des instruments de paix. Moi-même, à où nous t'a doué, nous t'a souhaité que ou des instruments de paix. Mais comment nous capables des instruments de paix? Moi-même, pas un musicien. Peut-être parce que l'autre, c'est un prénom, c'est l'autre, on va jouer la musique moi-même. Mais cependant, nous avons un instrument. L'irrité est un instrument. Seulement, nous qui a joué là, qu'il faut apprécier valeur instrument ça, ça a café, ça a de la donne. Parce qu'on va jamais apprécier, reprendre une guitare. Mais si même là, jouer un solo à la guitare, ou même qui était jeune fille, longtemps là, ouais, un petit jeune homme, qui a king, king, king dans les oreilles, qui a fait autant de bons sons. En bien pire raison pour charmer. C'est pas qu'on est là, non, mais c'est ça la vie avec la valeur, la fesse m'en parler pour lui. Donc, moi, à vous, en tant que souverain bon Dieu, c'est seul nous-mêmes qui a fait apprécier bon Dieu et à s'allier. Parce que c'est nous que bon Dieu gagne. Et c'est nous qui voulons utiliser pour permettre à ce que le monde capable de comprendre la valeur bon Dieu ça. Parce que le problème que nous gagnons dans l'église jolie, c'est parce que nous portons nous
connaît valeur, nous pas connaît ça le vaut, nous pas capable apprécier parce que protestant pas qu'à faire comprendre ça bon Dieu allié. Parce que nous tous qui là, peut-être, I'm sorry for those of you that are so young, you won't understand. But for those of us who were born in Haiti, growing up in churches, knowing some people, growing up among themselves, you feel that it was so beautiful to grow up in a Christian environment. You respect everyone. You love everyone. You feel that, you know, there is no one like my brothers and sisters. I trust them. I eat with them. I share everything that I have with them. I respect my pastor. Because for me, he was a saint. For me, he was the perfect. He was the representation of God on earth. And when they told me, this pastor or that pastor did something wrong, I would say, oh, no. Pastor, no, I mean, do it. Because he's the thing that I'm following in his footsteps. I want to be like this man. Because when he directs his service, he feels that, you know, the man knows how to direct his service in his song, the way he plays his arm, you know, feel through so power of your pastor. And when you go on, and you hear that doorway you see here, is not the one that God said. You feel that, man, if only I knew, I would never follow this guy. Because he's a wicked person. But when I'm growing up, I chose them because preaching life was my life. But nowadays, I'm a man. I can understand by myself. I can read my Bible. I can search. I can learn for those things that he couldn't teach me, that the Holy Spirit can teach me. And I feel so proud to be a Christian. Amen. And I want in my life to do the exact thing that the Bible teach me. Not my pastor, not my friends, not those I believe. But I want to take it for me. And that's why we want you young guys to understand that you are not coming here for your father or for your mother. But learn to come to God because he's so sincere. When God leaves his earth, his throne in heaven to come on earth and say, peace be with you. And he gives you peace, and that peace no one else can give it to you. Do you want to be an instrument of peace? That's what we want to learn. À distance, quand même que tout le monde comprend les focus, pour qu'il ça, bon Dieu dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Car seul le fils de Dieu peut apporter la paix dans ce monde. C'est pourquoi on n'a pas peur, on n'a pas crainte. C'est ça fait, Moïse a dit dans son 90, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Lorsqu'on est parole bon Dieu, ou fait parole bon Dieu confiance, votre vie, pas dépend de vous. Pas besoin de connaître combien de temps vous avez pour passer sur des ça. Ou pas besoin de connaître combien de temps vous était pour vivre. Une seule bagaille m'a lutté pour que ma vie soit entre les mains du Dieu vivant. Et ma vie, bon Dieu, a gardé pour que moi vive en paix. Il n'est pas toujours facile, non, frère, ma soeur. Il faut comprendre pour vivre en paix. Parce que souvent, mon bon Dieu, c'est comme moi, il dit, mon cher, on est la vie. Il
dit, ah, c'est bon, je dis. Et vous dites, oh, pourquoi c'était pas, c'est bon, je dis. C'est derrière, peut-être, le cas, c'est rouge, pour que c'est pas oublié, donc il y a couleur non pâle, mais c'est pour ça, c'est bleu, moi-même. Ça fait normal. Cependant, la Bible dit consacré. Heureux ceux qui procurent la paix. L'aimer la paix, dans où, ou doit transmettre par l'autre monde. Ou doit, en fait, apaiser l'autre monde, pas parole, pas réaction, pas comportement. Et où besoin qu'on est dans la famille, dans l'entourage, tout comme au passé, où c'est un instrument de paix, ou pas un instrument de division, ou pas un instrument de discorde, ou pas un instrument qui peut porter énervement, querelle, tension. T'as rempli le monde, mes amis. Ça fait nous mal. Ils ont un gueule l'église. Mais ils n'ont pas rempli côté la paix dans l'autre. Côté zéro, ils ont là. Côté que les laïcs, ils ont là. Côté en fait zigzagnant, protestant là. Mais nous parlons même au cours de l'année 2020. Pour que moi-même à coup, nous pas en pile. Nous pas en pile pour les qui commencent l'église là. Nous n'avons l'église modèle. Nous n'avons l'église côté que les palos de frère Paul. Pour parler qui est sauté. Faut qu'il y ait frère Paul, ça dit à bouche-lui. Mais dans le comportement, dans l'action. Non, parole lui, lui qui a prouvé, lui c'est un homme de paix au lieu de querelle. Parce que pendant que nous vivons chaque jour, ou bien on fait face à des situations, ou bien on fait face à des moments côté Christ pour attendre. Que vous pouvez utiliser enfin capacité ou connaissance que le barou comme instrument pour faire que le monde content, pour faire que le monde s'enlève à ta vie happy. Remember you have such a friend when you talk to that person and you feel so proud of that friendship. You learn so much from him or her. The way the person relates himself to you. You feel comfortable. Okay? You feel so proud that you have that friendship and can go to that person at any time, at any moment. And sometimes, you know, even within the family, sometimes I'm talking to the father. You have your young daughter. Okay, and sometimes they come to you, Daddy, can I have $20? I don't have. Ask your mother. And when you know in your heart, you have the possibility to give that daughter the $20, then you refuse. And you know, she will be someone
nous voulons vivre. That you are the one style. Because you are so big. You are so I cannot describe it. Because I feel sometimes, you know, children are only you. And you confuse who are Caesar. I remember when my first son went to college. I tell him, my son, give me only 4 years in your life, and I will make you a man. Don't be ashamed. Everything that I have is for the family. I will give you $50 every week for your subway, for your lunch. Your school is on my pocket. I will pay for everything. Then give me only 4 years in your life. I will take you a man. The first year, the man did okay. Then the second year, he fell in love with some young man, woman. And that's that. Life becomes so difficult for him because he didn't follow my advice. Not because I refused to give him the $50 that I promised him, but except he's not willing to follow my footsteps. Because I think for me, he's like everybody's young sisters down there. Are you following me or are you following something in your Bible? I hope that you are following your Bible. I'm talking to you and I try to make an effort to speak to your language to understand that. Because the message today is for each one of us. Because premier côté, pour nous utiliser, nous, pour les souvenirs de paix, c'est dans nos foyers. Dans nos foyers, nos relations avec notre époux, nos relations avec nos enfants. Vous connaissez un peu le monde, frère Maxwell, qui est bon à nous de l'autre. Mais quand on a la blesse, on connaît des mondes, des hommes mariés. Mais qui préférait faire ma quête pour l'autre fille de eux. Et pas faire ma quête pour madame. Moi, je ne pas mon ma quête, du tout. Si je ne peux faire ma quête, c'est péché. Moi, je ne faire manger, si je veux que je vais aller ça me besoin. Mais ma famille. Mais si moi, je m'accompagne, toi, Oscar, vous pensez que la vie non va parler? Même de me fatiguer. Parce que nous parlons même sur une fille. La partie de ma question, nous commençons. La partie de ma question, nous commençons. Yo, bosse! Vous comprenez? C'est pour suivre, yo! Ça me tourne. Ça me nuit. Mais puisque c'est madame, vous pouvez accepter. Parce que si vous ne pas faire, vous toujours penser, et si vous avez une idée? Et puis on fait la comme il faut. Il demande de m'accompagner, mon dit non. Même que ça fait mal, oui, moins bien. Mais c'est ma responsabilité. C'est mon devoir. Vous comprenez, pour moi, toujours faire la paix à lui. Parce que c'est lui, vous le mettez de côté. C'est lui même, moi, gagné. Souvent, il dit, oh, vous connaissez, vous parlez de personne ici, vous parlez de famille, c'est ma famille, etc. M'a fait tout ça, parce que moi, on parle de famille. Et souvent, vous pensez par les familles, et vous faites ma scène dans l'église, et vous voyez, et donc, c'est ça qui est pour vous. Mais après l'expérience que vous faites dans le docteur, vous pouvez. Après, je vous dis, vous comprenez, il y a un carré qui dirait, vous comprenez, il y a une fois, vous comprenez, parce que bonne question qui dit, on nous va venir dire, il y a un carré qui vous voulez. Mais quand on a des gens qui sont au quotidien, ils sont capables. Ils se sont comprenus. Ils se sont supportés. Même le minimum, c'est un poids. Vous obligez ce qui arrive. Vous êtes souvent en train de parler encore à tort. L'une a expérience où on doit faire éducation, trois générations. Et on connaît plus près maman que moi. Et
Nous d'accord avec lui. Si on demande une bagaille que le papa répond, allemand des papas. Et souvent, le monsieur déjà connaît qui je ne voulais pas. Non. Et nous dit, parce que toucher à voir ces mêmes mots. Les mêmes mots, parce que nous ne pas à diviser. Non, mais quand si nous trop souvent, nous, bâtissons plus valeur dans la que même madame. Madame, ce que nous consacrons, mais d'expérience et la vie, courant que nous rencontrons dans le conseil de ma femme, dans le couple, en pile fois, si nous nous divisons, nous nous. Et nous nous, nous ne comprenons pas, nous supportons nous au profit de l'autre. Il y a ces petits garçons, il y a ces petits filles, chaque monde, et vous connaissez si vous êtes intelligent, I'm saying that for you. You are so smart. You know how to play your parents. You know which one is so easy going. You can get whatever you want from that. And you feel that, let me go to her. Let me go to her. And she will accept that. She was so easy, I can lie to her. She will understand. But that, this man, no, I will go to my lady, I'm talking to you. This is what you do. Do your mom or your dad? I hope not. Because there must be one. And you will follow one. Either whatever your dad said, your mom will accept it. And if one of them is wrong, when they get together at night, they will discuss it. When they are together in the bedroom. But don't ever let your children play you because they are too smart. They know how to play parents. And they did that so often. And you feel that, oh, when something is wrong and you blame each other, it's you. What else, Oscar? It's you. It's you. You did it because sister, so-and-so said, no. But you said, yes, she can have a car. Mom said, no. And you said, yes. Who the hell you are? Because the house is for both of us. If one said no, you said no. Don't say, oh, it's not me, it's your dad. You put your husband in a situation where they will hate him and they will love you. They don't expect it's okay. It's not okay. The Bible said, no, you have to understand, within the family, we must be an instrument of peace. Whatever one parent said, the other one will accept. And we are not that many. And I speak Creole, I speak English, everybody can understand that you, as parent, you have to be an example for your children. And I said it, don't let them play you because they are too smart on that. They will play you. I guarantee you what they cannot get from you, they will get from the other partner. But remember, God will ask you, what did you do as parents? What did you do for your children? And when something happens, both of you will cry. You won't say it's him or her, it's us, and the family is still hurt. We have to be an instrument of peace within the family. Husband and wife, you have your role to play. And also children, you have your role to play. Don't use your daddy because he is weaker than your mother, and vice versa. Don't use your mother against your father because she is weaker. But at least listen to both of them and listen to the word of God. Because God gives you parents for your support. God gives you parents to provide for you. And parents and you must be an instrument of peace within the family. Second, nous besoin utiliser nous comme instrument de paix
dans nos relations humaines avec l'autre monde. Parce que vous connaissez, on ne peut pas vivre pour contre. Faut vivre avec l'autre monde. Quand vous voulez, vous parlez, il faut aller travailler. Vous comprenez? Il faut aller travailler. Et dans le travail, moi, je ne rencontre ni chrétien, ni mondain. Et c'est plus facile, moi, de rencontrer plus mondain que chrétien. Vous comprenez assez souvent, nous ne pas bailler nous comme des exemples à imiter. Nos relations, nous avons avec l'autre monde qui ne va pas connaître bon Dieu. En plus, nous cinq actions qu'on fait à notre monde, les garder, pour juger. Pour dire, pour ça, c'est le qui a fait ça. Je vais comprendre. Parce que nous côtoyons plus l'autre monde. Vous comprenez? Mais pour qui ça vous dit que souvent, on dit, si Jésus est là, qui ça va faire? Pas moi, c'est représentant Jésus-Christ ou t'es ça. Si il y a un bagage que Jésus-Christ a fait, il n'est pas là. Mais moi-même, je suis là. Souvent, on connaît, même pas au final de la rue. Je m'en dis, ce n'est pas tout qui m'en dit dans le besoin. Mais souvent, vous êtes en question du Seigneur. Et si je ne pas aller, et ça quand besoin, je passe sous lui, je ne pas aller. Souvent, on allait me tourner, on allait me faire l'eau là, je ne pas aller. Souvent, nous dit, ah, c'est toi qui va te faire. Souvent, c'est en faire si là, il va te faire. Je m'en fous de ça, mon emploi le fait avec. Mais aussi longtemps, mon Dieu, donne moi une possibilité pour m'assister à l'autre monde. Moi, je vais, mon Dieu, utiliser. Pourquoi les mêmes au sein de l'Église ne pas pouvoir priver sous relation, non, je dois être chrétien, mais en plus fois, dans une famille d'Église. Vous comprenez? Mais en plus fois, ils ont tablé, utilisé l'autre, un bon papa, un bon atout, et puis, bon, essayer de faire un tel bagage à cause de mon tel, à cause de la bagage. Tout le monde est compliqué, tout le monde est dans l'Église. Soit pour le jour à l'aide. Vous comprenez? Et puis, garde ouvrir les yeux. Qui va au retour. Vous comprenez? Tout le reste qu'il y a, après, fait pour le bon. Vous comprenez? Tout ça, à vous craser comme vous payez, fait pour le bon. Mais si fait pour le patron, vous comprenez plus qu'à dégager l'or dans la nécessité. Peut-être pas à faire ça. Mais si vous venez, pour le gouvernement, vous pouvez donner un prix dans la calasse là. Et puis on finit de nous craser Calbasse. Pour qu'il n'y a pas de moyen encore pour l'autre monde utiliser Calbasse. Nous avons besoin qu'on ait dans la relation nous avec l'autre monde. Nous avons besoin assez intelligent. Et nous avons un petit bon exemple que nous avons dans la Bible. C'est l'histoire d'Abraham avec l'eau. Nous avons toute l'histoire ça dans Genèse, chapitre 13, côté que. Il a rapporté que l'eau avec Abraham. Abraham, c'est tonton l'eau. Même Jean, par exemple, est capable de dire, frère Enoch, c'est tonton frère Dickens. Vous ne pouvez pas comme ça, nous, ça, et un peu nous. Vous comprenez, c'est tonton. Vous comprenez? Cependant, dans la relation Abraham avec l'eau, Abraham vient tellement béni l'eau tout. Bénéficier des bénédictions que mon Dieu bâille à Abraham. Même Jean nous dit assez souvent, dans l'identité de lui, qui ça, on dit, on bout des graisses. Même monsieur Lowe commençait à multiplier, l'affaire n'a pas pris mal. Et puis la Bible fait nous comprendre, pendant bénédiction à tomber, mais pour n'y a bien que l'eau, bien jalousie. Parlons de monsieur, alors, Mbaye, Abraham, bénéfice du tout. Ma compte si l'autre est l'autre sentiment de tes filles, mais nous dit pas entre eux, mais la Bible dit entre les bergers d'Abraham et les bergers de l'eau, guetterelle. Malgré tout, ça nous dit pas Abraham, l'eau bénéficiait la dame, l'eau a multiplié, Abraham a multiplié, mais à cause de cette bénédiction, vigne guerrier querelle entre
marié, c'est à madame. Bon Dieu qui bénit. Nous dit c'est à cause de bénédiction Abraham et Joël, neveu à quitter Abel, vient bénéficier tout. Mais les querelles viennent mettre, monsieur, pas qu'à vivre ensemble. Peut-être qu'il est la volonté, bon Dieu. Cependant, nous dit, à cause de ces bénédictions, monsieur, pas qu'à vivre ensemble. Donc, on est Abraham comme un homme de sagesse, un homme de paix. Et c'est ça qui permet toujours à encourager young people. Have some mature friends. Some people who can advise you. Some people who can help you okay, to learn. Abraham, comme le monde, il parle côté berger par lui pour demander ça qui passe. Non plus par côté berger l'eau pour dire ça qui passe pour ça. Mais le verre l'eau comme neveu. Il dit l'eau, ma bon bagage. Nous sommes côté de Jodi, bon Dieu bénit nous bien ça gagnant. Mais pas nous pas quitter ça nous gagnant, vite mettre nos divisions entre nous. L'eau, s'oublier, ma tonton, nous c'est frère. Nous c'est frère l'eau, nous pas à nous-mêmes, nous pas à faire exemple ça, dans le pays ça, parce que tout le monde connaît qui vous nous y est. En nous voyons bon exemple, pas quitter les biens de la terre, bagaille qui a passé, fait nous-mêmes, nous, des problèmes entre nous. Mais l'autre dit ça, Abraham dit l'eau, pas de bagaille. Pour nous finir ça, où est-ce que il a choisi l'eau qui contrôle les moi-même, je choisis tout, parce que pas peur. Ma grande, choisis qui vous voulez, l'eau, parce que chant devant nous, on me choisit. Donc, on laisse l'histoire. L'eau a choisi les plaines de Moab, les plaines de Gomorre, les plaines côté, en fait, d'Itéria, Sodome, Jari. Qu'est content qu'elle voit, mon cher, gardons bénédiction, mon Dieu, la vie dans même papa. C'est ça, on a besoin, gardons bénédiction, et puis l'eau passe. Et Abraham, comme est-ce que moi, non? Et c'est comme ça, les choses se séparent. Donc, on est Abraham, pas jeune, quitté l'eau, malgré nous séparer. Quel que soit ça qui va arriver dans la vie de Benoît, mais les parents d'attendissent moins que la guerre. Abraham, toujours soucieux pour le promis, ça va passer dans la vie. Quel bel exemple! Pour moi, est-ce qu'on peut réaliser dans nos familles haïtiennes, malgré les bénédictions qu'on veut combler, c'est toujours qu'ils disent dans nous, c'est toujours le rapport qui va passer l'autre. En pile fois, on comprend, nous ne parlons pas de l'eau pour son gagne. Mais à côté de sa boule du barreau, pas jamais l'été dans des tours. Ou plus passer pour l'autre. Toujours bailler l'autre monde avantage. Et c'est ça qui crase, voyez nous, famille haïtienne, en question de bien. En question de sa maman quitter, sa papa quitter. Mm-hmm. On prend tout le monde dans les mêmes tout pour quoi. Quel problème que nous avons dans la famille, là, c'est notre famille nous tapis là. Même on pas dit, nous connaît. Parce que c'est un problème, il y a des pignons dignes, n'est pas de venir. Et pour qu'il y ait des pignons dignes, n'est pas de venir. Pourquoi? C'est parce que nous venons de sort. Il y a pour nous en Afrique, il y a pour enchaîner nous, il y a pour garder nous dans un pays que nous ne connaissons pas même. Connaître. Mais pour qui ça? Si on a enchaîné une femme dans un petit gentil lâche, ou haïti. Puis on a dit, mon cher, Jésus-Christ, nous ne sommes pas capables de nous.
Jésus-Christ, ou papa dit, tout le monde n'a pas fait ça. C'est lui-même qui est capable de pécher, mais en nous donnant le bénéfice du doute, les amis, nous tous c'est vrai. Nous c'est bon, quoi, nous l'autre. Si vous avez la décision pour vous, si n'est pas pour mais pas aucun que si nous souffrons, c'est tout quoi qui souffre. Non seulement nous avons besoin d'être nos instruments de paix dans la famille de nous, mais dans la relation nous à l'autre monde. Et en fait, nous avons besoin de nos instruments de paix dans nos relations chrétiennes. Mais on n'a pas besoin de connaître pour nous toutes. Mais quant à moi j'avais même nos instruments de paix dans le temps. Parce que en tant que vous nous sentons que c'est une grâce bon de faire pour que vie pas nous capable de modèle dans le temps. Pour pas arriver pour mon Dieu reprocher le saint effet de la vie. Nous sommes dans la là. Parce qu'on connaît trop souvent la vie dit nous côté par l'autre, c'est chanter et chanter ça. Nous ne pouvons pas être l'autre, c'est chanter et chanter ça. Mais business ou pas business, non. Ça va passer dans la vie, pas intéressé. Pourvu que après pam, les bons. Qui est le meilleur? Est-ce que vous voulez? Qui est le meilleur? Pitot, le mot, à la caillou. Au lieu, c'est la caillou. Quoi vivre entre frais accès? Et puis nous, des vies années dans l'état de nous. C'est la Bible qui dit dans Matthieu 5, verset 9, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés par les fils du diable, les fils de Dieu. C'est bon Dieu, c'est pour mon Dieu que nous y est. Nous besoin de connaître, bon Dieu doit utiliser nous. Et dans Galates, chapitre 5, verset 22, et à parler le fruit de l'esprit, nous jouons fruit ça qui te gagne nef, gras, la paix, c'est nous dans nous. Ou pas capable, petit bon Dieu, et puis pour que vous-même, vous soyez toujours en lien. Ou, il y a des programmes de la boule, ou ouais, ou comprenez, ce n'est pas le régime en lien. Des bisous, ou votre casquette, puis les doux, mais qui vous voyez. Mais il fait une suite. Après le bon Dieu qui nous a acheté, après l'expérience que nous faisons dans l'évangile, nous n'avons pas ou pas changé. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, qu'il est une nouvelle créature, when you are in Christ, you become a new creature. In other words, the thing that you used to do before you know Christ, now you become a Christian, a newborn creature, your life must be changed. You cannot practice the same old thing. It's true when we were young, we made some mistakes. Sometimes it is voluntary, sometimes it's involuntary. But now I know Christ. My life must be changed. My life must be different. And I always say that even within the couple, if something happened between you guys, then remember your spouse is a servant of the Lord. You don't protect her. You don't say thanks to her. You don't say something so horrible. Sometimes you hear men talk about their life, their wives, saying things that you say, is he a creature? I remember I was counseling a couple, and the woman told me what they may say. And I said, no, it's not true. It cannot be. The servant of the Lord said that to you. Even there is no love
you have to respect that. Because God will ask you, what did you do? What did you say to her? She's my servant. He is my servant. You have the nerve to say that word. Thank you so much, God. We are in church. We are in the assembly. And they said, and when they said, both of us said, let me enter that. God will ask you for your spouse, for her soul. Okay? You are, okay, the guardian of your spouse. You remember when God called Cain, said, what did you do to Abel? He said, should I the guardian of my brother? I'm not. But I'm telling you, brothers and sisters, you are for your spouse, for your children. Keep your word, your dirty word, things that you use and you know in the bottom of your heart is so warm, you will never let people call you by those names. And you say that. And we take communion together. It's mean that that didn't change you. We don't know what communion said. When we come at the table, when the pastor said, we would like each one of you to examine yourself. In other words, to do a retrospection in yourself, to know who you are, what you said last night to your wife, to your husband, and you come at the communion table, take part of it, and you feel that we'll let it go like that. No, 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 no. You have to remember that. The Bible said in Ephesians chapter 6, verse 23 and 24 en French, que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Pendant que nous ensemble, songez, nous avons besoin de cultiver la paix entre nous. On connaît, on s'est frère, on s'est frère. C'est pour nous lutter, pour nous ne pas faire l'autre de la peine, pour nous ne pas nos occasions de chute, pour nous l'autre, pas ça nous a dit, pas ça nous a pratiqué, pas ça que nous a fait. Et que lui dit que grâce, là, capable avec tout le monde qui vient du Seigneur Jésus-Christ, nous amour. Il n'a plus là. Pendant ce jour, nous parlons. Mais nous t'a souhaité. Allez, 2020, capable nous aller des résolutions pour moins à vous. Parce que pour le paponner, nous allons m'habituer à madame quand nous parlons. Il y a 38 ans de mariage. Il y a un pile de bagailles à connaître. Mais on connaît bon Dieu, on est mon chat. La fête, il faut nous séparer pour nous vivre ensemble, pour nous capables d'être témoins l'un pour l'autre. Mais il y a un monde qu'on n'est ni moi, ni nous. Mais on nous fait effort pour personne n'est pas capable d'accuser nous mal à cause de nous pas connaître. Comment procurer, comment utiliser. C'est là que mon Dieu bonne. Soyez en paix entre vous. Soyez en paix entre tous. Et que l'amour du Seigneur capable d'illuminer très nous à un changement total, radical, pour pouvoir aller de lumière. Nous remercions le Seigneur de cette servie de frère Paul, notre bien-aimé frère de la foi, le serviteur de Dieu, qui partageait avec nous le message de la parole de Dieu pour que nous capables d'avoir une vie qui conforme à sa vie. Nous allons chanter pour terminer
les paroles du Cantique numéro 266. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole lors de ce venir. Ah, plutôt que ton évangile s'empare de nos cœurs, ces quelques grains en donnent mille à ta gloire, ô Seigneur. En vérité, nous demeurons respectifs
Et nous te demandons, ô Dieu notre Père, reste avec nous. Le jour décline, la nuit s'approche et nous menace tous. Mais nous implorons ta présence bénie. Oui, Seigneur, reste avec nous, reste avec nous. C'est la prière que nous adressons. Par Jésus-Christ à qui reviennent la louange, la gloire, l'honneur, la force, la majesté, des avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre bon Père, la douce intime communion du Saint-Esprit de Dieu soit et demeure en chacun de nous, et avec tous les chrétiens, où qu'ils soient sur la terre, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Maranatha.